On me dit non, non magistrat ça, les mêmes pas cité non, non, rapport ULCC. Et faut me dire nous, nos magistrats ça va citer nous dans le rapport là. Magistrats, nous va citer nous dans le rapport là. Mais comme jeunes garçons sont fiers de quand même, nous va citer dans le rapport là. Nous avons 4 travail avant nous et nous avons fait un monde sur la rue parce que il y a une tentative qui a fait pour péter barrière, pour ouvrir frontière. Nous-mêmes, comme autorité conséquente, nous disons que ce n'est pas possible. Okay. Parce que nous sommes des jeunes qui ont fait politique en communauté, qui comprennent que les Dominicains ont ouvert les barrières, fermé les barrières. Unilatéralement, sans consulter nous. Et je dis qu'ils ont choisi pour ouvrir encore, sans au moins revendication de ne pas passer. Donc, dans le cadre de travail, nous avons un plan, 4 manigances sur la main. Donc, nous-mêmes, comme autorité, nous prenons des dispositions pour nous lever les gens. Nous n'avons pas ça qui nous déclare comme espace rouge pour au moins que nous gagnions le contrôle frontière jusqu'à ce que les gens qui ont fait contrôler les banlieues et les gens qui peut-être ont un gros intérêt dans ce qu'ils ont fait là comprennent que nous devons chita et chita doit bailler un seul résultat. Le résultat, c'est que faut une revendication, ensemble de revendications, population, ensemble de revendications, autorité au passé, en façon pour au moins que nous toujours qu'un fier de nous. Par rapport à la République dominicaine. Sur question de rapport, je pense que ce maire assesseur, ce maire RIA qui gagne, qui doit une position là-dedans. Donc au moment opportun, ça a bien pour fait, on a parlé sur question de ça. Ok, okay. Magistrat. Qui projette le nouveau ministre? On se marche à beaucoup de gens ouverts. Parce que c'est un marché informel. C'est un marché informel qui est créé par rapport à la crise là. Donc, malheureusement, il crée un mauvais endroit par rapport à la situation privée. Évolution privée. Et marché souterrain était là avant. Non, marché souterrain était toujours là, mais il n'y a pas en plein ça. Après qu'il y a deux mounes, après deux visages qui viennent avec des marchandises contrebande, qui profitent de l'espace pour faire contrebande. D'accord? Donc, nous-mêmes, ce n'est pas seulement le problème que nous avons avec les citoyens, mais nous déclarer l'espace-là, espace rouge. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent dominicain dans la main. Quatre manigances de bagages que nous-mêmes, comme autorité, nous ne pouvons pas prendre. Ok, Magis, vous parlez de contrebande. Mais là, regardez dans une zone Ponigo, Bocanalala, c'est comme son deuxième marché qui est ouvert. Qu'est-ce que vous pensez vous faire? C'est un deuxième marché, nous-mêmes, nous faisons intervention par nous. Nous avons des gens que nous avons arrêté déjà. Nous allons aller jusqu'à Potille par rapport à la délégation que nous faisons. Et directeur douane, agent douanier, toute instance concernée nous présente. Et nous-mêmes, nous avons goûté pour nous combattre la question contre les bandes. Nous connaissons que c'est de gros intérêts qui sont liés. Il y a malheureux presque qui n'ont pas fait contre les bandes. Ce n'est pas un gros l'argent qui a fait contre les bandes. Nous avons une façon que nous défions nous comme autorité. Et nous-mêmes, nous avons goûté. Mais au moment là, ce n'est pas seulement une question de défendre contre les bandes. Mais au moment là, je pense que c'est un moment pour nous quimber l'espace que nous déclarons comme un espace rouge. Okay. Parce que il y a des mecs qui ont de gros intérêts, qui ont millions. Dominique Onameo qui a préparé des bagages et nous-mêmes qui comme autorité n'a pas conseillé. Okay, qui garantit notre travail de population? Est-ce que tout autant cette condition de bailleux pas respecter frontière pas ouverte? Je pense que c'est condition sine qua non. C'est condition sine qua non parce que son peuple nous est. Abinadel pas qu'à lever, il fait même barrière lui parce que nous choisissons après une prise de rivière. Lui-même il gagne 12. Et encore, ça qui est grave là, il choisit ouvrir les livres encore. Donc finalement, pendant la couverture, là, nous disons faut 4 la rebattre. 4 la rebattre, c'est ce qui s'avoue nous. Il n'est pas possible pour au moins qu'on achète un visa de $225 américains dans le consulat. Et pour pas même qu'à pénétrer l'espace là pour l'acheter, c'est dans la raquette pour acheter. Le acheter dans la raquette, nous coûtons 400, 500, $600 américains. Et l'on finit acheter dans la raquette là pour checker où aller, nous exigeons que chaque mois, vous obligez de retourner encore pour checker. Ça n'est pas possible encore. Nous, nous n'avons pas de commerce. Il y a un marché qui est là. Nous avons une possibilité pour nous, parce que nous vivons côté, nous disons, même si les Dominicains ont gagné aujourd'hui.
34 jours pour nous. Il y a eu un ensemble de bagailles qui a passé dans le côté, c'est vraiment pour moi que nous discutons. Et une fois pour toutes, nous toujours du côté de passé, pour Louis Abinadel comprendre que n'importe qui est, nous-mêmes comme Haïtiens, nous choisissons, prenons prise dans le massacre pour comprendre que le rivière massacre pas bien vivre. Son rivière qui passe dans tous les pays, même les gens qui l'ont utilisé, nous-mêmes, tout nous avons utilisé. Avec Martin, là, nous avons un gros travail autorité à faire dans la ville, mais plus précisément en bord foncé. Pas nous détails, quelle position ça a fait là. Position claire. Donc, on va remarquer toute autorité, la mairie, les sociales, les commerces, tout là. Donc, par rapport à lui-même, par rapport à tout ça qui a fait. On ne parle pas pour nous, chef. Par rapport à tout ça qui a fait. Donc, oui, c'est l'autorité là, dans la fonction. Donc, pas question de violence. Donc, nous disons, nous n'avons pas de question de violence. Depuis que nous avons de violence, il y a prêché. Donc, il y a besoin de réponse appropriée. C'est-à-dire, affaire ouverte frontière, c'est bobine. Vous pouvez remarquer que vous avez marché devant là, donc nous demandons la police pour mettre marché là. Et puis nous demandons zone stérile, pas de question de connaître violence, qui dit qu'on va venir casser barrière, on va venir casser cadavre, on va venir ça. Ce dossier contre 500 000 gouttes là, comment ça est là, puisque nous avons une culture circulée libérée à Delanaria, avec est-ce que. Vous parlez de 500 000 gouttes, donc moi-même, je ne pas contre. Vous dites, ok, tu as fait de. Directeur, l'en garde dans la zone Ponigo, il y a plein de monde qui a fait contrebande dans la zone ça. Et le pire, Dominique fait route spéciale pour contrebande. Ou même comme directeur, comme avec qui a gardé ça. Pardon, là, je viens de venir avant de sortir. Donc, vous êtes capable de remarquer moi-même, directeur douanier, j'ai délégué à la police et les agents douaniers, nous sommes dans tout coin. Donc, c'est pas dans le monde, c'est dans des formations. Donc, toute autorité là, motivée, pour aller pour la question ça. Donc, nous ne pouvons pas faire un combat de contrebande à 100%. Donc, mais nous avons fait effort que nous sommes capables. Ou pas là, ou vini comme directeur, ou pas garanti, si tout côté de nous dans la zone Ponigo là, nous parlons pour nous compter carré. Bon, et dans le domaine, l'autorité a été frappé tout. Oui, on a continué à frapper, on a fait une stratégie qui est bon pour que nous combattre contre le là. Donc, pas de l'âme là. Peut-être qu'à moi, côté, quand même, une stratégie, mais bon, il y a là. Nous ensemble, nous avons fait une réunion hier, nous avons dit encore, donc, nous avons. Gardez qui stratégique qui fait zap pour que nous combattions. Ok, l'aime garder moi qui tout toute responsable là, moi qui la police qui là, ou même comme directeur de la magistrat là. Ce sont des décisions gouvernementales liées de ce qu'a fait matin là. Il y a des questions. Il y a des décisions de l'autorité locale. Ok. Moi qui peuvent déranger l'autorité au niveau national. Okay. Nous comme autorité régionale, autorité locale, il y a des décisions qui nous prennent, qui ont intérêt. Dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt du pays. Vous parlez de déranger, même les actes de déranger, des vices au profit, au bien-être de la population, de la nation, par la loi, de déranger. La loi, donc nous, c'est l'autorité responsable, nous devons prendre une décision responsable. Il y a un message pour la population, surtout les gens qui ne parlent pas pour frontières ouvertes. La population est rationnelle, donc nous disons que les frontières, ce n'est pas nous qui fermons les frontières. Ce n'est pas nous qui fermons les frontières. Décision unilatérale du président Dominique pour fermer les frontières. Donc, c'est à eux-mêmes. Donc, nous, nous parlons de couloir. Couloir commercial, donc que nous, personnellement, nous pas dans le couloir commercial. Comment est-ce que vous pensez à mon cap et passer contre le bon, message à mon contrebande, je crois que la mairie met une note sur ça. C'est sur notre âme d'appeler avec vous. La mairie met une note sur ça. Mais nous allons continuer à faire contrebande. Oui, nous avons motivé, nous avons renforcé nous davantage pour que nous combattions le phénomène. Vous donnez un message, directeur. Bon, la population est devenue vigilante, elle est sage. Et tant de mots d'ordre, c'est l'autorité qui reçoit. Ce n'est pas mon cap répété, reposé dans la rue, cap à Capal Chita, etc. Donc l'État qu'on j'en fonctionner, l'État qu'on j'en dirige, l'État pas inexistant. Ce n'est pas deux trois mouns pas Capal Chita, sinon l'État, pour définir des questions d'État. Okay. Pas que pas comme ça. Merci, directeur.
pour exiger l'État faire sacrer le génocide là. Nous pouvons exiger l'État pour nous mettre devant la fête accomplie. Nous pouvons exiger l'État pour nous dire que le pays d'Haïti n'est pas pour vendre ni dans Godé ni dans Mamit. Donc, nous n'avons pas de problème avec la zone franche. Mais il faut que vous priorisez le côté de la zone franche. Parce que c'est un plan macabre qui gagne à travers le pays. Pour déstabiliser, sacrer les productions agricoles pour nous toujours dépendance de à la Dominicanie avec marché international là. Et ceci, yo bay l'argent 23 millions de dollars pour mettre zone franche, mais yo pa bay 25 gob pour faire agriculture. Et c'est ça que fait Biden l'ouvre pour aller tout le monde tourner comme esclave volontaire. Nous mêmes en tant que petite de Saline, petite Capoua, nous dit nous mêmes nous pa bay rendre tête nous comme esclave volontaire encore pour ne pas tourner en esclavage. Et c'est ça qui fait nous réclamer terres agricoles pour que nous plantions manger, pour nous bailler petit nous manger, pour nous bailler famille nous manger, pour nous bailler nation manger. Parce que qui ça pour aller chercher, c'est manger pour chercher à la Dominicanie. Et aux États-Unis. Je dis, yo carotte, ou plantez piment, là-dedans, ou qu'à faire revenir, ou qu'à faire revenir de 1,5 million gouttes dans 5 mois. Si un paysan gagne 1,5 million gouttes, est-ce que vous avez? Si l'État t'a investi dans l'agriculture, chaque monde qui l'a, c'est un millionnaire qui est lié. Eh bien, pour ça, vous n'êtes pas d'accord. Mettez l'argent dans l'agriculture. Comment vous avez dit comme ça? Côté qui regroupe 10% de monde, vous mettez 2 gouttes dans chaque 100 gouttes qui a fait, vous mettez 2 gouttes pour vous. Ça, c'est dans le budget de l'État. Donc, nous avons demandé à l'État pour mettre une enveloppe allouée pour l'agriculture. Et terres agricoles, nous sémentons 7 fois, 97 fois pour ne pas mettre béton sur eux encore. Surtout dans Pitobé. Parce que Pitobé, c'est garde-manger nord-est qui est lié. Pitobé, c'est garde-manger Wanamet. C'est ça que je dis, Wanamet, qu'on déficit de manger, c'est pas la zone Nakimara. Zone d'Amaribao ou pas de manger, non, parce que toute terre qui t'a fait manger, je dis, yo mette kaisou yo. Toute terre qui a fait manger, eh bien, yo détruit yo avec zone franche. Yo prend zone franche là, comme moun kaba job, nous kaba job parce que zone franche. Parce que chaque paysan qui l'a kagen de moun avou. Chaque paysan, quel que soit, l'open d'organe, il faut prendre de moun avec vous, eh bien, et c'est perpétuel. Ou pas d'esclavage encore. Donc nous demandons pour nous sortir d'esclavage moral ça, pour que nous sortions dans l'indépendance économique ça nous mette nous. Nous même nous voulons faire manger pour quoi? Monsieur Guillaume, on doit parler de... Nous avons participé avec Panel Mathurin, qui c'est la Mayotte impérialiste. Là. La Mayotte, moun kap exterminé paysan yo, qui vini pour prendre 200 carottes dans ferrier pour mettre une zone franche industrielle. Nous même nous dit Panel Mathurin, jodi a nous pas qu'à parler de zone franche. Ça le fait puis oser puis dit orteyo pas utile en rien. Nous même moi te dit Panel Mathurin, même si orteyo pas travail, c'est tesao qui kembe penaga. Parce que là yon kabrit, là yon un bœuf, yon cheval, c'est là où garder yo. Et c'est bœuf ça, c'est kabrit ça, c'est cheval ça qui se canet paysan yo, qui se canet qui permet nouveau ti moun yo l'école. Si li ou elle, li se yon technicien, et ben c'est Tessa qui fait nous gen agronome, nous gen ingénieur, nous gen docteur, nous gen toute couche moun yo. Pas dit Tessa pas utile en rien. Panel Mathurin, et bien nous dit communauté féroise là et pays d'Haïti en soi, moi même nous gen tant consulter 10 départements géographiques là pour que si pour nous faire une force commune pour nous mettre Panel Mathurin dehors à toute forme projet là. Nous dit n'a fait parce que la baie de Maslin sont zones réservées pour l'État. L'État doit investir pour attirer les touristes, pour entrer l'argent dans la commune, pour entrer l'argent dans le pays. Là où fait un individu cadol, vous avez dit qui ça? Vous mettez toutes les zones franches. Et monsieur Green a projet ça lui-même? Bon, c'était lui qui devait présenter. Nous que nous écrit des articles, nous dit n'a pas. Reviens pêcher parce que nous n'avons pas de problème avec la zone franche. Peut-être qu'il y a des jeunes garçons et des femmes d'autres, mais vous pas apprendre si c'est un esclavagisme moral. Qui, parce que vous n'avez pas de dépendance.
yon mette dans un système côté ou pas capable de comprendre dans qui yon mette. Un, li pose des préjudices. Je dis à ou manquer des cadres intellectuels. Si moun yon immédiatement fin de l'école, au lieu à l'université, et bien yon entre dans une franche. Depuis dans une franche, même cerveau yon gâté. Même si vous ratez parce que vous n'avez pas gagné, l'école encore. Donc c'est ça que vous mettez là-dedans. Et vous pouvez faire pour liaison avec des autres mouns qui ont mauvaise tendance, chimère, sanguinaire, venir dans un nom pour faire même ça qui a passé n'importe quoi cela. C'est ça que fait nous-mêmes, nous avons fait deux bouts en face de mouns à chaque fois qu'on fait des projets comme ça qui ne pas répondre à la société nous-mêmes que nous avons fait. Pendant les vins avec un projet, nous refusons. Est-ce que nous pas baillons notre alternative, dis-moi ça nous pas rien. Par exemple, nous avons construit ce canal là, nous avons besoin de coopérative agricole, nous avons besoin de agricole. Nous disons que nous gagnons plusieurs facteurs nous besoin. Je dis à vie après Nalbaou, il y aurait révélé qu'il y a 40 000 tonnes de riz chaque année. Je dis que ça nous passe la moitié de riz pour le pays d'Haïti consommer. Donc je dis à nous besoin de banque agricole. Nous avons besoin de moyens de transformation pour vos produits agricoles. Donc, nous n'avons pas de problème pour y venir comme entrepreneur. Ça pas c'est, nous n'avons pas de problème avec ça. Mais question pointée, côté moun y a gardé bête, côté moun y a travaillé là. Ça, nous pouvons le camper en face, mais nous n'avons pas de problème, nous entrepreneurs, yon moun qui vient financer la production agricole là. Et puis, pour nous retirer, nous, dans sacré la sécurité alimentaire. Nous disons, nous sommes en bataille pour une souveraineté alimentaire. Et nous voulons faire coopération à tout pays qui veut nous produire. Mais ce n'est pas pays qui veut nous mettre avec eux pour nous acheter des bruits dans les mains. Vous parlez de plusieurs dizaines de carreaux de terre qui ont pris dans la zone sale à tout le canal là. Sous qui gouvernement vous avez fait ça? C'est sous gouvernement privé. Privé, c'est un entrepreneur dans la zone franche. Donc, qui n'a pas gagné un sentiment pour l'agriculture. Donc, et c'est compé ministre de l'agriculture dominicain. Et donc, de tous. Donc, je dis à qui vient pour t'apprendre ça. Mais ce n'est pas terre, c'est Marcel qui est problème. Non. Mais pas oublier pour l'histoire. C'est la banque réserve nord-est, la banque réserve pays a été effondrée. Donc, il y a un pile moyen, un pile gros moyen, donc il y a un pile l'argent, un pile l'or, un pile d'arrêt qui est effondré là. Donc, ils ont même découvert, ils ont un appareil hydroïde qui détecte que là, il a gagné toute richesse. Eh bien, ils ont besoin de boucher là. Et c'est l'unique moyen, là où a bien la prière, ils ont son gros richesse appétit. Et c'est ça que nous demandons au peuple là, pour qu'un peuple ouvre ça. Répondez pour nous encore. Espace qui parle là, c'est l'espace qui tout près nous là. Espace qui tout près nous là. Vous dites c'est là, c'est la réserve. Donc, réserve nord-est là, c'est effondré, dit la colonie française. Donc, c'est volé l'or, kiff, diamant, tout ça nous a gagné dans le pays là, laisse ça pas te gagner dans ce domaine. Et c'était l'île de la qui était gagnée. Je dis à cela, ils ont très demandé de terre, banque là, t'es effondré. Et c'est là qu'ils mettaient toutes les réserves pays entre ce domaine avec Haïti. Mais là, c'est ça qui fait une bataille là pour venir voler, richesse ça. Et bien nous-mêmes, en tant que monde qui a goûté, nous avons détecté et nous avons compris la bataille là. La bataille là n'est pas aussi simple que ça. Et c'est ça qui fait Abinader Camp en face. Et on va appeler des Haïtiens qui ont semblant, qui se restent avec Dominicains, venir tout. Pour en face nous là. Et vous avez des gens qui sont dans l'état actuellement qui ont besoin d'une campagne canal là pour que vous facilitez la tâche à Zone Franche. Vous facilitez la tâche à Abinader. Vous facilitez la tâche avec Nantes de Cruz qui est le ministère de l'agriculture. C'est eux qui viennent prendre toute cette salle là pour retirer le peuple là dans la production. Ça et bien nous-mêmes, c'est ça fait nous. Lever bataille ça, sous web bataille ça là, c'est nous qui lever et continuer à camper en face. Merci Guillaume. En face yo, et pour l'histoire jugé yo. Parce que nous gagnons 220 années depuis pays a souffri. Je dis à peuple haïtien, d'accord, mettez tout petit ego à côté pour lancer message ça à la nation pour dire nous kaini, nous ka fait pays nous. Et bien si l'État ça comprend que puis ta vie mettre interdiction là, son génocide yo compte faire.